Excusez-moi, est-ce que pour ce jeu, il faut toujours avoir une psy? Parce que je vous imaginais dans la boîte et tout. Alors... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Reconnecté de Bouygues Télécom. Les écrans, ça prend beaucoup de place dans nos vies. Alors Bouygues Télécom a développé un programme pour accompagner et aider les parents comme les enfants à mieux gérer leur rapport au numérique. Ils ont créé un jeu de société qui permet de parler en famille ou entre amis de ce qu'on fait derrière nos écrans et des dangers et des limites à ne pas franchir. Évidemment, on va essayer de tirer quelques bonnes pratiques de ce moment qu'on va passer ensemble. Et je suis, en plus de ça, entourée de personnes extraordinaires. Ilyes Jadel, veux-tu te présenter ? Je m'appelle Ilyes Jadel, j'ai 25 ans, je suis humoriste et d'ailleurs je suis pas venu seul. Je suis venu pour jouer avec mon petit frère. Je m'appelle Amine Jadel, j'ai 15 ans et je suis au lycée. Je savais même pas. On se reconnecte déjà là. C'est magnifique. Et face à Ilyes et Amine, nous avons Nordine Gonzo et son frère. Salut. Voilà, Nordine. Présentez-vous. Humoriste à Paris. Ça, c'est mon petit frère Yanis. Voilà. Tu fais quoi dans la vie ? 25 ans, je suis du côté sportif. Et nous avons à mes côtés Nadège Larcher, personne indispensable pour ce jeu. Je suis psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. L'objectif, c'est d'améliorer la communication dans les familles, notamment autour du sujet des écrans. Vous allez donc devoir répondre à des questions que je vais vous poser. Nous avons quatre catégories de cartes. De la culture numérique, action-réaction, donc ça c'est plutôt des défis. La carte décodeur qui concerne directement Nadège, donc c'est un petit peu la carte expert, où vraiment là c'est des questions un peu pointues que Nadège va vous poser et là va falloir assurer. Et de temps en temps, des petites notifications qui vont ajouter un petit peu de piment. Par exemple, vous bloquer, vous permettre d'avancer plus vite ou ce genre de choses. Vous êtes prêts à jouer ? Let's go ! On est prêts ! Qu'est-ce qu'on met ? On met les téléphones dans la petite boîte. Allez, dans la boîte. Hein. Toi aussi. Est-ce que les psys, vous faites toujours ça Non, mais c'est une position de psychologue. C'est la position du psy. Et des lunettes de psychologue aussi, par contre. Aussi. Là, elle voit mieux ce qui se passe. Si vous voulez vous confier, peut-être parler avec Nadège. Alors, ça fera 150 euros. L'équipe qui trouve combien de contacts j'ai dans mon téléphone va commencer la partie. 68. Non, la plus. Respecte-moi. 300. Allez, 300. 480. Vous commencez car j'ai 2426. Ah, je le savais. Et ce sont tous mes amis. Comment appelle-t-on la phobie d'être séparé de son téléphone portable ? La nomophobie, la télophobie, la portophobie ou la tactophobie ? Portophobie, ça me paraît trop gros. Tactophobie. Je pars sur ça. La nomophobie, ouais. Ok. Et c'est une bonne réponse. Bravo ! Vous avancez d'une case. Nadège, tu peux nous en dire plus ? Nomophobie, c'est la phobie d'être sans son téléphone. No mobile phone phobia. Ah. Et c'est à partir du moment où tu vas revenir chez toi parce que tu as oublié ton téléphone portable, où tu vas aller vérifier plusieurs fois dans ton sac que ton téléphone portable est là, etc. On est tous nomophobes. On l'est un peu tous. Une notification, dis donc. Si c'est des petites pépites comme ça, vous avancez de trois cases, c'est gratos. Mais du coup, on va aller voir ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'on a ? Une case expert, bien sûr. Excusez-moi, est-ce que pour ce jeu, il faut toujours avoir une psy ? Parce que je vous imaginais dans la boîte et tout. Elle sort de la boîte et tout. Alors, proposez trois techniques, stratégies personnelles pour limiter votre temps d'écran. Il y a une option limitée sur le téléphone. D'accord, et tu la mets ? Ça marche pas. Tu l'utilises ? Non, mais ça peut servir. Ne pas mettre à charger son téléphone, comme ça on n'a plus de batterie. Okay. Le jeter dans un ravin. Il y a des gens qui font des week-ends, ils se forcent à ne pas prendre leur téléphone. Une cure détox numérique. Ouais. Et à ce qui paraît, ça fait vraiment du bien. Ouais, j'ai déjà fait ça, moi. J'ai très vite retoxé. Hein. Mais en vrai, si t'es en week-end avec tes potes, automatiquement, t'es un peu moins sur ton téléphone, non ? Parce que vous avez connu l'avant-numérique. Ouais, moi, je l'ai connu, ouais. J'ai même connu le téléphone que tu piquais et que t'emmenais dans ta chambre parce qu'il y avait un grand fil, tu vois. Il n'y avait pas de temps d'écran, il n'y a rien. Non. C'est des moments plus humains. Oui, oui, mais il y a des choses bien aussi dans le téléphone. Oui, oui. Mais le problème, c'est de ne pas le lâcher. Franchement, un jeu. Et deux. Non, c'est que deux. C'est deux. Laissez. C'est parti pour l'épreuve du mentalisme. Je vais vous donner un mot et chacun va devoir écrire quatre mots en rapport avec ce mot. Et l'équipe qui a le plus de mots en commun entre frères avance. Ok, jeux vidéo, quatre mots en rapport avec les jeux vidéo. Regardez, hein, c'est pas pour critiquer, hein. On écrit tous des mots avec des lettres. Bien sûr. Ouais. Voilà, lui avec ses doigts en train d'écrire des... Dessine. Non mais comment tu as vu ? Ça veut dire que tu triches. Non mais c'est... T'es pas censé voir son écran. On a pas faire un test de QI, c'est pas possible. Mais tu triches. Et alors ? Oh là là ! J'arrive même pas à lire ces Alors, vous avez commencé ? Alors, le mot manette, je pense qu'on l'a tous mis. Je l'ai mis aussi, mais du coup, j'ai effacé. En fait, j'ai pu en mettre que trois. C'est bon, garde-les. Là, il a rien mis. En effet, il y avait manette. Là, il a rien mis. Allez, il y avait manette, on l'a vu. On leur donne. Quoi d'autre ?
télévision. Oui, je l'ai mis. Ok. Un câble pour brancher. Ouais, ça j'ai mis. Donc ça fait deux. Ah, okay. Il a mis virtuel. Ah, pas mal. Ok. Et en fait, Anthony, c'est parce non, que mon frère va forcément. Je suis allé un peu plus loin dans l'énoncé. Il a mis virtuel, plaisir, numérique, fiction. Et moi j'ai mis manette, TV, console, enceinte. Eh, c'est fou qu'on est connectés. Vous êtes surtout connectés vous deux en fait. Alors on est peut-être frères à trois. Bon, très bien, donc vous avez aucun point en commun. Mais c'est quand même votre tour. C'est à vous. Un point. T'as fait non. un c'est Il a fait elle, un. C'est elle qui a lancé. Vous non. avez fait un, car vous avez trouvé des bonnes réponses. Ouais, c'est rien, ça m'est évité. Toi, t'as vraiment la main verte. Voilà, allez, j'ai encore une petite question. La culture. À quel âge les jeunes Français ont leur premier téléphone? Vous pouvez me dire entre tel et tel. Entre 11 et 13 ans. 11 et 13 ans. Écoutez, j'ai envie de leur accorder. Il est marqué entre 11 et 14. Oui, c'est bon. 65% des ouais. enfants. Ma petite sœur, elle a 12 ans, elle en a un. Elle en a un. L'âge moyen maintenant en France, c'est 10 ans. Après, ça peut servir si on a besoin d'avoir des appels pour les parents. C'est exactement pour ça que les parents donnent le premier téléphone, pour des questions de sécurité. Ça passe par là, d'accord. Le problème, c'est que c'est vrai, quand tu donnes un téléphone, un smartphone à un enfant, il peut aller n'importe où. Il peut aller sur plein de sites, plein d'applis qui ne sont pas adaptés du tout à son âge. Donc, on a quand même besoin de pouvoir les contrôler, d'où le fait d'avoir des forfaits progressifs, de quand même bloquer la consommation, parce que sinon, ça donne 10 heures par jour. Ah oui. Oui. Et puis aussi de bloquer certaines applis, etc. Et puis, Des forfaits progressifs en plus, que Bouygues Télécom propose. Oui, c'est des forfaits enfants. Ah, c'est stylé. Par contre, ça, j'aimerais bien en parler. Oui. Des parents qui, dès le plus jeune âge, ils donnent l'iPad. Après, ils disent, il s'est allé sur YouTube tout seul. Bah, ça pose des problèmes dans le développement de l'enfant. Et on est très inquiet pour les tout-petits. Parce qu'effectivement, normalement, un tout-petit, il ne devrait pas être sur un écran. Il a besoin d'apprendre, en plus, en manipulant. Il a besoin de regarder, il a besoin de rigoler. Et s'il est sur un écran, il ne fait rien de tout ça. Donc, que s'est-il passé sur ce plateau? Il a vraiment repris votre pion, il a reculé, je balance tout. Quoi? C'est une blague. Si on peut avoir un replay. Voilà. C'est un mauvais joueur, hein. 1, 2, 3. Ah là là. La culture de l'écran. On peut vérifier. Voilà, je te jure. Au cours de notre vie, combien de temps passe-t-on en moyenne devant les écrans? 7 ans, 17 ans, 27 ans ou 37 ans? D'après mes calculs, c'est 27 ans. Et félicitations. C'est plus 2, ça. 27 ans. Bravo, tu as lancé une case. Ah, mais 27 ans. J'ai compris. C'est 56 heures par semaine devant les écrans. C'est énorme. Vous pouvez lancer le dé, c'est parti. 5, 6. Nous sommes complètement dans le thème, car vous allez devoir désigner qui autour de la table a, selon vous, le temps d'écran le plus important. Moi, je dirais Nordine. Ah non, moi, c'est, je vois. C'est eux qui jouent, ouais. De nous tous, lui compris, moi, je pense qu'il est autour de 20 heures de temps d'écran. Par jour Ouais. C'est non, pas possible. Par semaine, par semaine. Non, c'est par jour. C'est par jour. Par jour. Quel est votre dernier mot? Êtes-vous d'accord entre vous? C'est moi, ça. C'est toi. Et bien sûr, c'est Nordine. Voilà. Avec 10 heures par jour. 10 heures. Oh, Dieu. Et bien, du coup, vous avez gagné, vous avancez d'une case. Super. C'est ça le point. Il y a 7h45, c'est pas non plus. Non, mais il y a aussi du travail. Oui. Le problème, c'est ça. C'est que maintenant, c'est compliqué de parler quand temps d'écran. C'est parce vrai. Qu'il y a plein d'activités, il n'y a pas que du loisir, il y a du travail. On utilise notre téléphone pour tout aussi. À un moment, on différenciait le temps récréatif et le temps professionnel ou le temps éducatif. Mm-hmm. Il faudrait réussir à avoir un équilibre entre les deux. On peut faire la rubrique de Nadège? Hop là, comme par hasard. Tiens. Ah, attention, c'est une dure. Tu vas changer de jambe, ça veut dire que tu parles plus. Attention, là, je ne me fais pas. Sur le croisement. Là, c'est sérieux, parce que là, c'est dur. Le matin, elle est comme ça. Échauffement. Quelle est la règle des 3, 6, 9, 12. Je pense que c'est pas. C'est par rapport aux enfants. Ah, t'es sur la bonne piste. Mais en fait, il faut s'adapter aux enfants des 3, 6, peut-être des 9, 12 aussi. Okay. Et par rapport à leurs besoins. Alors, c'est des âges, t'as raison. C'est, des âges. C'est une règle qui a été établie par un psychologue qui s'appelle Serge Tisseron. On l'embrasse. Et voilà. Et. Il dit avant 3 ans, pas d'écran. Entre 3 et 6 ans, on a le droit aux écrans, mais avec un adulte. De 6 à 9 ans, OK pour la console, pour la tablette, mais dans le salon et avec un adulte pas loin non plus. De 9 à 12, OK pour Internet, mais là aussi avec un adulte présent. Et à partir de 12 ans, OK pour le téléphone portable et pour Internet, mais sans doute avec un contrôle parental et quelque chose d'un peu bloqué. On va accorder le point. Oui, on accorde. Un 2, un 2. 4. Yes. C'est ton moment, Nadège.
Moi, la j'adore. Culture. J'adore quand c'est attention. Alors. Quel pourcentage de parents déclarent mettre en place au moins une règle pour contrôler les usages numériques de leur enfant? A, 24%. B, 56%. C, 74%. Et D, 95%. C'est entre 24 et 56. Donc, voilà. Alors, mais vas-y, il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui utilisent le contrôle parental. Moi, franchement, je me suis jamais, mais là, je pense que je vais... 56 aussi. Hein. Ah, c'est 95. C'est très loin. Mais ça veut dire que 95% des parents utilisent le contrôle parental. C'est pas forcément le contrôle parental, mais en tout cas, c'est des mesures. C'est genre, je t'autorise ton téléphone de 18h à 20h ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'en tout cas, notre génération sera les pires parents. On pourra même pas dire à nos enfants, ton téléphone, tu le poses. Ils vont me dire, toi aussi. Mais tu feras quoi quand tu seras parent? Tu donneras un téléphone dès le début, t'attendras. Vous arrêtez de la psy, vous rentrez dans ma tête. Waouh. Wow. Laisse-moi savoir ce qu'il y a. Arrêtez dans ta tête. Oh, la psy. C'est sérieux ce qu'elle propose. Bien sûr, on va tout psychanalyser aujourd'hui. C'est dangereux ce qu'elle propose. Ouais. Déjà sur Netflix, je vais mettre le truc jeunesse. Attends, c'est bien. C'est déjà ça. Et après, sur Internet, ouais, je vais essayer de mettre un petit verrou, quoi. Allez, Nadège, c'est encore tout. Nadège, let's go. Vous avez 30 secondes pour donner 3 effets négatifs d'une trop grosse dose d'écran. Addiction. Problème oculaire, manque de socialisation, problème de comportement. Dépression. On peut aussi faire une dépression. Je pense qu'il y a assez de propositions. Plusieurs réponses. Chez les petits, on peut avoir un problème du développement du langage, aussi d'attention. Chez les plus grands, on a un problème de sommeil. On peut avoir un problème aussi de repli sur soi. Il y a le cyberharcèlement quand même, un problème. Et puis, il peut y avoir effectivement aussi des problèmes de posture quand tu es comme ça à tout le temps. C'est ça. Le mal au dos. Tu t'en vas chier. C'est pour ça qu'il faut croiser les jambes. On avance. On va faire un petit peu d'anglais. Trouvez les équivalents français de ces anglicismes et les équivalents officiels. Je veux dire des mots. La vraie traduction en français. Sachant que ça vient de la commission d'enrichissement de la langue française. Ok, vous pouvez jouer. Comment on dit replay? C'est quoi? vous jouez, vous, hein? Arrêtez! On attend le naufrage également. Yes. Rejouer. Ah oui, rejouer. Séance de rattrapage. C'est ce qu'on a trouvé officiellement pour désigner le replay. Dis donc, j'ai pas vu Joséphine Ange Gardien, je vais faire une petite séance de rattrapage. On n'aurait jamais trouvé. Ghosting. Ou fantôme. On est prêt, on n'est pas lancé. Mais c'est un mot. Fantomisation. Allez, c'est pas bravo. Génie. Mais là, il a gagné quand même. Bravo le petit frère. Quel est l'équivalent français du mot hashtag? Dièse. C'est presque trop. C'est le mot dièse. Mais c'est bon, c'est dièse. Bravo. Mais là, c'est. Yes. Ça fait des heures que vous êtes sur votre écran et vos yeux sont en PLS. Quelle est la cause de ce phénomène? C'est la lumière bleue. Ah ouais. Ça crée une sensibilité à l'œil qui fait que nous, après, notre rétine, elle est affaiblie. Et donc, on perd une puissance oculaire. Merci, Mac Lesguy. Alors, Nadège, une petite... C'est exactement ça. Par contre, c'est le problème des lumières bleues artificielles. Parce que la lumière bleue, naturelle, on en a besoin. C'est grâce à elle qu'on se réveille le matin. En vrai, est-ce qu'on n'a pas envie que tout le monde soit sur la case arrivée? Et je fais question qui va vous départager. De toute façon, cette question concerne les deux équipes. Donc autant qu'il y ait un peu de pression. Allez, moi, ça me convient, c'est bon. Allez. Alors, vous allez faire une recherche sur un moteur de recherche. Mais le but, c'est d'avoir le moins de pages de résultats possible. Ah. Alors, si vraiment vous avez celle-là, où trouver une mairie dans la mer Méditerranée? 1 850 000 résultats. Parce que de toute façon, il y a forcément mairie Méditerranée. Donc voilà. Moi, j'ai cherché. On va gagner. Ok, 1 850 000, on retient ça. Donc, il y a 1 800 000 poissons qui ont cherché une mairie dans la mer Méditerranée pour aller voter un poisson élu. Où est la tomate à ce nom? Ce nom, la ville? Ouais. Donc, je rappelle qu'on avait 1 850 000. Et là, nous avons 44 700. Vous remportez le jeu. Reconnectez. On peut les applaudir. C'est passé. Bravo. Mikey, c'est pour toi. Ça, c'est duo, ça. C'est sûr qu'on allait gagner. Bien sûr, vous allez repartir avec une boîte de jeux. Vous repartez avec Nadège. Également. Nadège, c'est comme tu veux. Est-ce que c'était cool de discuter entre frères et tout, de parler en famille? Moi, j'en ai appris beaucoup sur toi. J'ai appris beaucoup sur lui. Non, en vrai, parce qu'il a conscience. Je me rends compte pour de vrai qu'il n'utilise pas trop son tête. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous allez faire plus attention, peut-être? Surtout, se rapprocher de la famille, c'est bien les jeux de société. Et surtout, ce jeu très pratique. Il me semble que au-delà du temps d'écran,
Vraiment, la vraie question, c'est ce qu'on fait dessus. Ce qu'on disait tout à l'heure, si ça nous coupe des autres, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis de se rappeler que quand même, plus les enfants sont petits, plus ils ont besoin qu'on les accompagne. Surtout les tout-petits, ils ont autre chose à faire que d'être sur un écran. C'est un super outil, ça nous facilite la vie pour plein de choses, mais c'est à nous de le contrôler et pas l'inverse. C'était Reconnecté. On se retrouve très bientôt pour passer des bons moments et apprendre plein de choses. Il est où mon téléphone ? On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.